Né en France, Mabo Kouyaté est le fils de l'acteur malien burkinabé Sotigui Kouyaté et de la costumière, comédienne et metteuse en scène suisse-allemande Esther Siraba Kouyaté-Marty. Il a plusieurs demi-frères et demi-sœurs dont le comédien-réalisateur Dany Kouyaté et le conteur Hassan Kassi Kouyaté. Il apparaît pour la première fois au cinéma dans Moi César, 10 ans un demi, 1,39 mètres de Richard Berry, puis dans le téléfilm Écoute, Nicolas, où il joue le rôle titre. En 2011, il incarne Placide Louverture, fils de Toussaint Louverture né esclave en Haïti, devenu général de l'armée française puis gouverneur de Saint-Domingue. Un téléfilm en deux parties diffusé pour la première fois à la télévision du 14 au 15 février 2012, sur France 2. En 2013, il joue le rôle principal dans le film tunisien L'Enfant du Soleil de Taïeb Louitchi. En 2016, il est le partenaire de Gérard Depardieu dans Tour de France de Rachid Djaïdani, un film présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Enfant déjà, on le voit sur scène dans Oedipe ou La Controverse, une pièce adaptée, mise en scène et interprétée par son père. Il est ensuite l'adolescent Bakou dans Bakou et les adultes de Jean-Gabriel Norman, au théâtre du Rond-Point, et retrouve son père pour le spectacle Sundiata Kata présenté au Théâtre National d'Alger, entre 2011 et 2013. Il joue le chevalier d'Anceny dans Les Liaisons Dangereuses, une pièce d'après Choderlos de Laclos mise en scène par John Malkovich, au théâtre de l'Atelier puis en tournée en Europe et aux États-Unis. Acteur os, physique atypique, évasif, il est aussi modèle photo et apparaît dans des campagnes de publicité, notamment pour Benetton et Afflelou.